Eric et Francis, le duo des Chevaliers du Fiel, venus à Nîmes pour présenter les municipaux, Trop c'est trop, ont permis à un large public de voir leur dernier film en avant-première, un succès garanti avec les premiers témoignages en sortie de salle, tout de suite après leur interview exclusive. Parce qu'il y a des grésillements. Allez! Cette fois-ci encore, on l'a bien préservé, la planète. C'est beau, tous ces municipaux. Il va falloir commencer à écrémer. Rien qu'à l'idée qu'ils vont virer du monde et qu'on fait rien. On fait rien, on réfléchit déjà. Ah, du monde, ouais, oui. Et il y a un très bon accueil, oui, du voilà. Public. Ils rajoutent des salles, non, tout va bien pour l'instant. J'ai vu qu'à la télé, tous les acteurs qui sont en promotion, on leur demande comment ça se passe. On leur dit alors, ça s'est bien passé ce tournage et... Les gens, ils prennent les nerfs habités, ils vont « Oh, c'est génial, tout bon, quand on connaît bien le métier, on sait que certainement ils s'en fait chier, que tout le monde s'est fait la gueule, mais nous, en l'occurrence, non. Non, nous, il y avait grosse ambiance avec Bruno Locher, celui qui fait le chauffeur de bus, un ancien des chiens qui est vraiment un type extraordinaire, Sophie Mounico, bien sûr, et Angélique Panchéry, une nouvelle que vous allez découvrir. Vous allez ne jamais l'oublier quand vous l'aurez vue, parce qu'elle a un physique particulier. C'est ça, et c'est elle qui rajoute le côté sexe. Voilà, elle a un grand talent et... Oui, un grand. Ma mère me dit, si cette Véro te prie tant que ça, il te faut l'épouser. Si tu crois que c'est la femme de ta vie, épouse-la. Putain, j'ai des seins qui font pas 12 heures. Agents municipaux. Ah oui, oui. À chaque ville. Dans pas mal de villes, ouais. C'est sympa. Ils nous font pas la gueule, au contraire, parce qu'on en a fait des héros. Donc avant, personne parlait d'eux, jamais. Maintenant, on parle d'eux tout le temps à la télé, au cinéma. Donc non, ils sont contents. Ouais, c'est des gens qui ont du respect, de la considération pour les autres, mais ils n'ont pas une fierté mal placée. Contrairement à d'autres professions qui se la jouent un peu, eux, voilà, ils font leur job plus ou moins, il y a de tout là-dedans. Mais, De toute façon, ils ont très bien compris qu'on se moquait d'eux, mais avec beaucoup de bienveillance, et qu'ils en sortent finalement très sympathiques de ces films et même des spectacles qu'on avait fait avant. Donc partout, au cinéma, ils nous accueillent avec des machines, les balayeuses et tout. C'est vachement sympa. Et partout où on passe en France, dans les villes, ils nous klaxonnent. Je pense qu'ils nous prennent plutôt pour des collègues, des copains. Que comme des gens qui les salissent et qui leur portent préjudice, au contraire. Ils se sentent vraiment flattés qu'on parle d'eux. Pourquoi on a des cagoules là? Pour rester à l'ouest, à la mode, à l'intérieur. Pour rester anonyme. Je le savais, j'ai pas osé le dire. Il faut les briser menu à seul coup. Il faut les secouer. Et on gagnera. On est là anonymement, monsieur le maire. C'est que c'est du travail de foutre le bordel tout le temps. Oui, c'est du boulot, hein. Alors, c'était très bien. On a bien rigolé tout le long. Une bonne équipe. Et on en guide la troisième partie. Très bien. Très bien. Formidable. Peut-être mieux que le premier, même. Ah oui, franchement, on s'est régalé. Hein. C'est vraiment très rigolo. On écrit des sketchs tout le temps. Ouais. Quand on nous interview, on écrit des sketchs sur les mecs qui nous interviewent. ça sert toujours. En fait, tous les jours, il y a des choses qui serviront un jour à quelque chose. Voilà. Le tout, c'est d'avoir le cerveau comme un ordinateur et d'engranger tout un tas de trucs. Et un jour, se dire, ah oui, mais je me souviens ça. Si je mets ça avec ça, enfin bon, ça marche Qu'est-ce comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, le théâtre ou le cinéma? En fait... Ça a aucun rapport. Enfin, en même temps, si, c'est toujours une façon de communiquer notre univers et tout ça. Mais en fait, nous, évidemment, c'est la scène en premier. Mais en fait, on est bien content, voilà, d'avoir les deux, ou de faire de la radio, ou de changer de sport un peu de temps en temps. Parce que quand on est en tournée, on est très, très heureux d'aller sur scène et on aime ce métier. Mais après, en fin de tournée, on est toujours, il nous tarde toujours de passer à autre chose, de faire de la télévision ou de la radio. Mais on aime, c'est vraiment des exercices différents. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Nous, on est des décathloniens, quoi. C'est-à-dire, on fait de la radio, on fait de la télé, on fait de la scène, on fait du cinéma, on fait de la promo. Mais
Oui, c'est des activités qui se complètent, quoi. Qui se comparent pas, mais qui se complètent. J'ai fait descendre Georges Paul de la section nationale du syndicat. Les gars, moi j'ai fait 12 heures de train. Faut chier avec leur grève à force. C'est pour nos archives.